explorer l'écran de démarrage. Alors, une fois que vous avez lancé Word 2019 ou la version actuelle que vous avez à la maison, vous avez l'écran d'accueil de Word qui s'ouvre. Alors, voici ce que vous allez y trouver. Alors, premièrement, dans le volet gauche, donc à gauche ici en bleu, vous allez avoir les premiers boutons de commande, donc le bouton accueil, le bouton nouveau et le bouton ouvrir. Alors, en fait, dans le bouton accueil, vous avez un petit mélange de ce que vous retrouvez de façon plus détaillée dans les boutons nouveau et ouvrir. Donc, dans le bouton accueil, vous trouvez dans le haut ici une petite galerie de modèles que vous pouvez utiliser. Vous pouvez cliquer sur le bouton Autres modèles pour aller rechercher d'autres modèles qui sont déjà créés par Word. Vous avez aussi ici donc la liste des documents récents. Donc, vous avez l'onglet Récents qui est ici. Vous avez la liste aussi des documents qui sont épinglés. Donc, c'est possible d'épingler des documents pour les retrouver plus facilement par la suite. Et vous avez aussi l'onglet des documents qui ont été partagés avec vous par OneDrive, par exemple. Alors, c'est ce que vous retrouvez ici, donc dans le bas, dans la zone de droite. Vous avez aussi un outil de recherche qui est ici. Alors, l'outil de recherche que vous retrouvez sous la commande Accueil vous permet de rechercher des fichiers que vous avez déjà enregistrés. Donc, simplement écrire une ou deux lettres et Word va s'occuper de vous trouver les documents qui commencent par ces lettres-là. Alors voilà pour la commande accueil. La commande nouveau, eh bien, ce sont tous les modèles qui sont disponibles dans Word, dont vous avez accès à une panoplie de modèles. Là, je vous montre ceux-là, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Alors, vous pouvez aller faire une recherche, donc professionnelle, carte, prospectus, CV même. Donc, vous avez des très beaux modèles de curriculum vitae qui sont dans Word. Beaucoup d'options disponibles. Ensuite, vous avez encore une fois un outil de recherche et ça va être pour rechercher donc des modèles en ligne, donc des modèles de documents Word qui sont en ligne sur Internet. Le bouton ouvrir, mais vous vous en doutez, donc on va ouvrir des documents qui ont déjà été ouverts. Vous allez retrouver ici vos documents épinglés. On a encore la zone de recherche pour les fichiers qui sont déjà enregistrés. Vous pouvez retrouver les documents qui ont été partagés avec vous sur OneDrive. Vous pouvez trouver donc un emplacement sur ce PC. Vous pouvez aller chercher avec le bouton Parcourir. Donc, toutes ces options-là sont disponibles avec la commande Ouvrir. Ce que vous avez aussi, donc dans le bas de la partie gauche, donc vous avez les commandes de gestion du programme, donc votre compte, votre avis et les options. Donc, on va voir ces petites commandes-là un peu plus tard dans une autre capsule. Alors voilà, c'était une petite exploration de l'écran de démarrage de Microsoft Word.